countless eons have passed since our ancestors traveled to the Promised Land from the Land of Calamity. Eons still have they wandered, aimlessly and scattered. Only when Sherchet, the last prophet, proclaimed the dragon's rule from atop the sacred mountain, had our purpose become unobscured, our destinies manifest. United by faith, great rulers of the past bounded petty kingdoms into the mighty Kudonian Empire, our new center of civilization and a launching point for many voyages of exploration and conquest. That is how the barbaric land, later dubbed Nova Draconia, was discovered, and in it, the magical Balta ore, the world's only source of pale iron, renowned for its unique strength and temper. A century later, Nova Draconia has been crowned by the port city of Swordhaven, and at least partially tamed. But this land of mystery and danger yet calls to the adventurous souls from every corner of the known world. It is with one such adventurer that our tale begins. Donc nous allons jouer à la démo de Swordhaven Iron Conspiracy. Donc démo sortie assez tôt cette année, voire même l'année dernière, je ne sais plus. Je sais que j'avais joué au mois de mars cette année et j'avais arrêté ma partie. Je voulais faire une vidéo de présentation dessus et je l'avais pas fait parce que ça buguait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc je relançais aujourd'hui pour voir si ça a été patché, si ça bug un peu moins cette démo. De quoi s'agit-il? Swordhaven Iron Conspiracy est un jeu de rôle traditionnel. Donc vraiment, voilà, rien de particulier à dire, hein, avec un setting heroic fantasy. Vous avez vu dans la cutscene, on vous parle d'un nouveau continent qui a été découvert il y a un siècle à peu près, Nova Draconia, qui est un continent avec des minerais magiques riches. Et il y a une ville, Swordhaven, qui a été bâtie ici. Mais ça reste un continent qui est encore sauvage, relativement inexploré, en tout cas partiellement. Et donc voilà, vous allez être un aventurier qui va partir vivre une vie d'aventure, hein, incroyable. Et l'intérêt de Swordhaven, enfin l'intérêt... L'un des trucs intéressants, en tout cas de Swordhaven, c'est que le jeu est développé par Atom Team, qui est l'équipe qui a développé le jeu de rôle Atom RPG, qui était un clone de Fallout, souvent surnommé par les joueurs le Fallout russe, Atom RPG. Et du coup, bah, il s'attaque à quelque chose de plus traditionnel. On va voir ce que ça donne. Donc, pour l'instant, c'est vraiment une démo, hein, c'est loin d'être un produit fini. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont absentes. Et c'était bien indiqué. Là, ici, hein, ça ne représente pas les graphiques finaux, ni le gameplay final, ni rien du tout. Hein, en particulier au niveau des graphismes, ça fait jeu très indé. Hein, c'est pourtant pas le cas. On va créer un personnage. Et vous allez voir que... J'ai signalé que c'était fait par les gens qui ont fait Atom RPG et ça vous étonnera pas beaucoup. Alors vous choisissez entre un homme et une femme. Il n'y a généralement pas d'impact sur ce genre de jeu. Un homme. Andril. On a deux backgrounds, noble et bandit. Bandit, vous avez un bonus en dextérité, à la hache, aux armes contondantes, en lockpick, en pickpocket. Noble, vous avez un bonus aux armes à lame, à la force, à l'intimidation et à la survie dans la nature. La force va gérer votre capacité de port. Bladed weapon, c'est la compétence d'armes que j'ai utilisée, c'est plutôt les épées. La dextérité va vous donner plutôt
des chances d'esquive et d'initiative, donc c'est assez intéressant. Et lockpicking, je vais m'en servir. Problème, c'est que Axe et Blunt, c'est pas forcément mes armes de choix. On va essayer de regarder ce que donne comme compétence, comme capacité spéciale, les armes contondantes. Donc vous avez des attributs. Ça fait spécial. Si vous les remettez dans un peu dans le bon ordre, etc. Sont les attributs Fallout. Et c'est pas déconnant, puisque c'est fait par la team Atom. C'est la force, qui donne un bonus aux dégâts en mêlée. Elle augmente les points de vie. Elle augmente la capacité de port. Alors attention, les mêlées damage, j'ai un bonus à partir du moment où vous avez 7 en force. Hein, si vous n'avez pas 7 en force, il n'y a pas de bonus en dégâts. L'attention, vous donnez de l'initiative et de la perception. Et donc, vous voyez, il y a toute la liste des compétences qui en dépendent. La mêlée, donc les compétences d'armes, vont avoir un score qui va dépendre de la force. L'attention va jouer un peu sur les compétences d'armes, moins que la force, mais sur beaucoup de compétences type voleur. L'endurance va vous donner des points d'endurance, une réduction des dégâts, la capacité de port et des points de vie, ainsi que certaines compétences d'armes, haches et armes contondantes, optimisation, etc. La personnalité, ça va être les compétences plutôt sociales. L'intellect va donner directement le nombre de points de compétences que vous gagnez par niveau. Là encore, pensez Fallout. La Dex va vous donner la stamina, des chances d'esquive, la capacité de port et de l'initiative. Et la chance, des chances d'esquive, la capacité de port et des chances permet d'ignorer une partie de l'armure. Donc la luck, c'est pas complètement une junk stat. Bon, jouez sur un Fallout like, vous devez maxer l'intel, hein, ça c'est obligé. On va mettre un bonus en force pour augmenter nos dégâts de mêlée. Supposons qu'on ait une personnalité détestable. À chaque point en force, c'est un point de dégâts en mêlée en plus. Hein. Je regarde un truc. Donc vous avez des points de compétences. Donc vous avez des compétences de base. Ça fait Fallout. Encore une fois, pensez... La création de personnages, c'est vraiment 100% du Fallout. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est fait par la team Atom. Encore une fois, c'est eux qui ont fait le jeu décrit comme le Fallout russe. Hein? Donc on retrouve vraiment des mécaniques, disons, une architecture de jeu qui va beaucoup ressembler, en termes de développement de personnages en tout cas, à ce qu'on trouve sur Atom RPG. On va utiliser quoi? On va essayer d'utiliser hache et armes contondantes. On va monter à 50. On va essayer de monter lockpicking à 50, mais on ne peut pas le monter à 50 tout de suite. Donc si en hache et blunt on met là et qu'en lockpicking on met là. Lockpicking on n'a pas besoin en premier niveau, je pense. Hache et blunt, mettons qu'on mette à 50. Choisissez votre distinction. Donc en gros, choisissez votre perk de base. Donc les perks de base vont vous donner des bonus et des malus. Généralement un bonus et une carac. Un bonus à genre 2 compétences et un malus à pas mal de compétences. Vous pouvez être un arbitre, vous avez plus de personnalité, de la persuasion, de la négociation, mais vous perdez des points de compétences en armes. Donc chef de haut vol quoi. Donc vous avez plus 2 en personnalité, mais vous avez moins 25 sur vos compétences d'armes et vous gagnez moins de points de vie par niveau. Et à chaque fois que vous êtes touché, vous avez une chance de paniquer. Vous avez ici grande asperge à grosse tête. Vous avez plus d'intelligence. Vous avez un bonus en craft en médecine. Vous perdez 15 dans les compétences sociales. Vous avez œil d'aigle. Gagnez un point en perception et un bonus en ranged weapons. Mais par contre, vous ne pouvez rien porter sur la tête. Et à chaque fois que vous êtes touché, vous avez 2% de chance de paniquer. Main lourde. Vous gagnez de la force d'intimidation des arts martiaux, vous perdez 20 sur les compétences de voleur. Destin chanceux, vous gagnez de la chance, vous avez des bonus, bluff, haggling, et vous perdez sur pas mal de compétences.
Vous avez eu une éducation moche. Vous avez plus d'endurance, des résistances, mais vous perdez sur les compétences sociales et de voleur. Petit, vous avez de la force et des compétences de voleur. Vous perdez pas mal sur les compétences à côté, notamment les compétences de combat. Et unique survivant, vous avez de l'endurance, un gros bonus de 25 à toutes les compétences d'armes. Par contre, tous vos compagnons ont un malus, gros malus sur leurs compétences d'armes. Donc ça, en gros, c'est Lone Wolf. On va faire ça. Vous voyez que si je fais ça, l'intelligence n'augmente pas. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas dépasser 11 en intelligence, même avec Briny Beanpaul. Avec Briny. Briny, pardon, Beanpaul. Donc je vais baisser mon intel de 1. Le point qui reste, je vais le mettre là. Ou alors je le mets là. Ça me donne un point de santé et 3 points de capacité de pouvoir, c'est pas énorme, je peux le mettre là. Du coup, en Axe and Blunt, je vais enlever un point parce que 50 ça suffit. J'ai 50 en lockpick, ça suffit. J'ai 1 en persuasion, c'est un peu triste. Si, vraiment, c'est un peu triste. Je vais quand même le mettre en Axe and Blunt. Et du coup, vous avez un point de perk à prendre par rapport à vos maîtrises d'armes. Et donc, le jeu va vous montrer les 5 pôles de compétences d'armes. Donc, combat à main nue, combat à distance, lancer halbarde, hache et contondant ou arme à lame. Donc, en fonction du type d'arme que vous voulez utiliser le plus fréquemment, admettons qu'on... On a mis surtout des points Axe and Blunt, on a 51. On a le droit d'utiliser, d'apprendre des perks de rang 1 ou de rang 2, puisqu'on a 50. Avec les Blunt, on a quoi comme perk? Avec les masses. ?25% de chance d'infliger confusion qui fait agir la cible de manière random pendant 2 tours. Frappe au genou, 25% de chance de ralentir l'ennemi pendant 2 tours. Une attaque perforante qui permet de faire le maximum des dégâts possibles, mais l'attaque coûte 25% pour l'action en plus, et elle ignore la réduction des dégâts de la cible. Ici on a voir des étoiles, une attaque qui coûte plus cher en points d'action, qui a 25% de chance de knockdown un ennemi. Alors avec les gros marteaux, qu'est-ce qu'on a? La cible recule de 5 pas par rapport à vous. Ça vous désengage. 15% de chance d'infliger knockdown pendant un tour. Vous pouvez attaquer 2 fois. Et tremblement. Ça, ça a l'air assez sympa. Alors, sachant que de toute façon, on doit d'abord prendre un truc de rang 1 avant d'aller chercher un truc de rang 2. Alors, 15% de chance d'infliger knockdown, c'est pas beaucoup non plus. On va quand même prendre ça. On va essayer de se battre avec un gros marteau. On va voir. À l'âge, c'est quoi les skills? 25% de chance de détruire le bouclier. Vous infligerez 15% de dégâts supplémentaires pendant 2 tours. Mais vous aurez moins 10% de chance de toucher. Ouais, bof. Non, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme apparence? On va s'enlever la barbe. On va se mettre des cheveux noirs, tant qu'à faire. On va se mettre les cheveux courts. Ok. Il n'y a qu'une seule voix, hein, pour l'instant. Time for action. Just say the word. On va jouer en difficulté normale. On va jouer avec une caméra isométrique. Alors vous avez soit une caméra libre en 3D, soit une caméra isométrique. On va jouer en isométrique. Et on est parti. Bienvenue à Sword Iron Conspiracy et sa démo. Vous naviguiez depuis le continent impérial vers les terres de Nova Draconia.
en particulier vers sa capitale, Swordhaven, quand une soudaine tempête a renversé votre bateau. Au cours du choc, l'un de tes camarades passagers, un vieil homme, du dent fort, a été touché par un mât qui s'est abattu. Avant de mourir, il t'a confié une amulette mystérieuse, te demandant de la ramener à son ami Agranat, l'illuminé, à Swordhaven. Échouer à le faire, selon lui, mènerait à une catastrophe. Toujours confus et dérangé par l'urgence que tu as sentie dans la voix de cet homme qui était en train de mourir, tu es parti sur un radeau. Le capitaine du bateau a décidé de ne pas prendre de risque. T'as envoyé toi et le reste des passagers vers la côte avant d'atteindre Swordhaven, disant qu'il y avait un village proche, Clamreach. C'est là que ton histoire commence. Après un atterrissage rugueux, toi et tes camarades passagers, allez rencontrer l'aube du jour en récoltant du bois, en allumant un feu, en préparant quelque chose à manger venant de la mer ou avec les portions que vous avez ramenées. Alors que vous êtes sur le point de partir vers le village, la voix sévère d'un de tes compagnons t'arrête. Nostra Uraim, la femme rousse, plutôt typée bandit, qui parle peu et dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait dans la vie, te parle. Ouais. On pourrait aller au village ensemble par Luc. Ces feignants là préfèrent rester ici jusqu'au crépuscule, mais moi j'ai des choses à faire. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est mes affaires, pas les tiennes. Ouais, tu veux même pas me lâcher le morceau? Essaye pas de fourrer ton nez dans mes affaires, ou tu risquerais de le perdre. Alors pourquoi tu veux voyager avec moi? J'ai le sentiment que toi et moi, on se déplace dans les mêmes milieux, si tu vois ce que je veux dire. Tu fais partie de l'armée de la nuit? Non, mais j'ai déjà eu affaire avec les gens comme toi avant. Alors... Ouais, je pourrais avoir usage d'un compagnon en route. Et il est où ce village que le capitaine a mentionné? Vers Clamreach. Il faut suivre la route au travers de la forêt, traverser la rivière et aller à l'est. Oui, tournant. Merci beaucoup, Nostra. Dernière chose. Ce coffre sur lequel tu es assis, il est à toi? Non, je pense qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Même que les marins l'ont mis par accident sur notre bateau. Oh, je pense qu'on devrait jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tiens ce crochet. Montre-moi ce qu'ils t'ont appris à la guilde des voleurs. Oh bien. Pour interagir avec vos teammates, appuyez sur le bouton en forme de bulle de dialogue. Ok. Alors, pour l'instant, on va... crocheté. Il y a quoi là-dedans? Une fiole vide. Potion d'innervation. Potion de mana, quoi, je pense, non? Ah non, non, non. C'est une potion qui réduit pendant 10 secondes les coûts en points d'action des attaques de 1. Pourquoi pas? Ça, c'est une potion de résilience. Ça t'enlève un point de personnalité. Ça augmente de 1 la résistance aux dégâts. Ça cause une intoxication, a priori. Un voile de gaz toxique en 10 secondes. Ok, et un bandage. C'est noté, on va tout prendre. Alors, on va mettre... Ça, c'est potion de soins. Je vais mettre là. Bandage avec. Là, on va l'équiper. Amulette d'amphore, ce que nous a donné le mec. Une faible lueur rouge brille dans ce prisme sombre. Quand tu touches l'un de ses côtés, la lueur se déplace vers ton doigt comme si l'objet était vivant et observé. On va l'équiper, hein, pourquoi pas. Là, ce sont des rations. Tu en as besoin pour te reposer. Lors de repos complet.
C'est noté. 28 points de vie, elle est en la 26, elle est à poil. Bon, après, pourquoi pas. Hein. Toi, tu vas équiper une potion de soin, parce qu'on sait jamais. C'est quoi, des outils de voleur? Non. Une pierre aiguisée. J'ai quoi comme compétence? La compétence pour essayer de faire chuter l'adversaire, et elle recule. Ça force la cible à reculer. Donc toi, c'est une archère, toi. Ah non, t'as une lance. Ah, c'est une compétence à la lance, recule. Ah, ok. Je pensais que c'était un truc à arc. Dégâts 1 à 11. Ah, moi, j'ai un bâton. Bon, dégâts 7 à 9, c'est toujours mieux, tu verras, que 1 à 11. Bon, un bâton, ça fait pas rêver. F5, c'est pas une quick save? C'est F6, la quick save. Ok. C'est étrange. Pas habituel. Il y a un feu de camp ici. On pourrait fabriquer. Pour faire une fiole de paleste, il faut tout ça. Ce n'est pas. Ok. J'ai zéro de toute façon, ok, je connais pas cette recette, ça marche, on va pas se prendre la tête avec le craft pour l'instant. On a aussi un coquillage, il est vide. Bon, une pelle, c'est toujours bien de prendre des pelles. Surtout sur les jeux très typés Fallout. Des tiges bleues. Des champignons. C'est un jeu qui va se présenter sous la forme de zones. On va pouvoir explorer. Et en arrivant au bord des zones, on va pouvoir aller vers d'autres zones. Si vous lisez la description sur Steam de ce jeu, il est mentionné que ce jeu est inspiré par les grands classiques du jeu vidéo, du jeu de rôle, en particulier des jeux comme Baldur's Gate, etc. En toute franchise, ça ressemble pas à du Baldur's Gate, puisque vous allez voir que le système de combat est du système de tour par tour. Rien à voir avec du Baldur's Gate, donc, par exemple. Et la caméra isométrique n'est pas le système de caméra le plus naturel pour ce genre de jeu. Donc ils ont mis une vue isométrique. Encore une fois, je pense que bon, voilà, parce que ça fait très Baldur's Gate, quoi. Mais il faut savoir que de toute façon, même si vous êtes en isométrique, vous pouvez changer, hein, l'orientation de la caméra, vous pouvez tourner par seuil de 90 degrés. Une perle. Serions-nous arrivés sur le jeu Risen? Récolter des perles dans les coquillages? Alors, des bonnes bottes, un gros sac et un bâton. Le bâton, c'est le même que ce que tu as. Ce que j'ai, c'est qualité pauvre. Ça, c'est qualité pauvre, c'est exactement la même chose. Les bottes donnent en furtivité 2% de chance d'esquive. Vas-y, Valandril, c'est bien pour toi.
et de l'arsenic. Ok. On est censé aller à l'est, hein, par là. On va essayer d'aller du coup au nord, parce que bien sûr vous me connaissez, hein, s'il faut aller d'un côté, moi je vais pas aller de ce côté-là, je vais aller ailleurs. Non, c'est pas drôle. Oh, première baston, une espèce de lézard chelou. Alors, c'est qui toi? Ça c'est ce royaume d'agro, je suppose. On va lui dire bonjour. Voici le système de combat. Vous êtes sur un jeu donc avec du combat tour par tour. En haut, vous avez la barre d'initiative. Vous avez vos points d'action qui sont là. Et en fonction de l'endroit où vous mettez la souris, il vous indique là à côté du pointeur, à côté là par exemple de l'icône en forme de foudre, combien ça vous coûte de points d'action d'aller ici. Et à gauche, vous voyez la jauge. Donc il y a en haut le nombre de points d'action totaux de votre perso. La jauge, vous voyez qu'elle se vide en fonction de l'endroit où vous allez. Et un chiffre à droite de la jauge, c'est combien de points d'action il reste une fois que vous avez fait ce mouvement. Si je l'envoie là, il ne reste plus de points d'action, elle ne peut plus rien faire. Notez que vous avez ici en gris, c'est subtil, la limite de déplacement maximum de votre perso. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas atteindre le vilain. Donc j'ai aucune raison de faire quoi que ce soit. Donc faire passer son tour. Est-ce qu'on peut utiliser l'ordre attendre? C'est quoi ça? Je ne sais pas. On a... Pause, bon ça je... Est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on a... Un space and turn. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ordre attendre. Bon. C'est une démo, mais sur les jeux comme ça, avec ce genre de système, j'apprécie d'avoir un ordre attendre pour que ton perso puisse jouer à la fin du tour. À défaut d'avoir un ordre attendre, on va juste regarder dans les contrôles. Y a rien. Donc tu vas juste attendre. Vandril, tu pourras avancer ici. Il resterait 2 points d'action. Frapper avec ton bateau coûte 12 points d'action. Donc tu peux pas avancer et le frapper. Pareil, tu attends. On va laisser approcher. Ok. Alors toi, si tu approches là, tu peux te déplacer pour 3 points d'action. Frapper. Ça coûte 10 points d'action. Donc tu peux frapper deux fois. Tu as 79% de chance de toucher. Pour des dégâts qui vont de 0 à 10. Puisque je pense que la personne a une réduction de 1 des dégâts. Puisque en dégâts, elle fait entre 1 et 11 avec sa lance de base. Elle a touché deux fois. Nickel. On voit ses points de vie, 16 sur 28. Parfait. Valandril, est-ce que tu veux essayer de le faire chuter ou est-ce que tu veux lui mettre deux claques? Tu as que 70% de chance de toucher. Si tu le fais chuter, t'as 15% de chance de le faire tomber. Après, de toute façon, c'est les dégâts d'une attaque normale, donc t'as pas de raison de ne pas le faire. Tu l'as pas fait chuter, mais tu l'as fait mal. Tente de toucher, si tu touches, tu le tues. Tu l'as tué, GG. 11 XP chaque. Est-ce que c'est fort, 11 XP? Manifestement, non, c'est... Ça a l'air nul, hein. 800 XP pour level up, waouh. Écoutez, on l'a gagné, hein. Nous avons deux stucs de viande. Ne peut pas être consommé cru sans sérieux risque pour la santé. Ajouter du sel pour créer des rations.
C'est noté. Donc le système de combat, il est ultra fonctionnel. C'est un King's Kink, si vous voulez. Et ce que j'apprécie déjà avec ce système de combat, c'est qu'il révolutionne rien du tout. Et ça, c'est bien. C'est une chose dont je suis généralement pas fan avec les jeux vidéo, c'est les jeux qui veulent réinventer la roue. C'est quand tu te places sur un segment qui est déjà très largement connu, utilisé, parcouru par pas mal de jeux. Là, en l'occurrence, on est sur un jeu qui va être jeu de rôle classique. Donc de base, c'est vraiment un segment où il y a déjà pas mal de monde. Ou des gens qui marchent très bien. J'aime pas qu'un jeu aille sur un segment comme ça qui est très, déjà très, très emprunté, on dira. Mais qui essaye quand même de réinventer la roue. Alors, les jeux de rôle, les JDR classiques, il y en a plein. Il y en a plein qui marchent bien. Et plutôt que d'essayer de s'inventer des mécaniques toutes nouvelles, de changer des trucs, etc. C'est bien quand un développeur utilise des mécaniques classiques, simples et efficaces. Et ce système de combat, ce qu'on vient de voir là à l'instant, c'est classique, simple et efficace. Squelette ici. Il a quoi? Une lame de dague en fer. Et un sac. Un chapeau. Il était médiocre. Il a des points en persuasion. Un baume de guérison. Un kit de lockpick. André, le chapeau il te sert à rien, mais vas-y, t'as rien sur la caboche, équipe toujours ça. Et mets le baume de guérison ici parce qu'on sait jamais. C'est bien qu'il y ait du loot un peu comme ça dans des endroits qui sont hors des sentiers battus. J'aurai toujours une excellente idée quand un développeur récompense l'exploration. Même si le loot est pas grandiose, le simple fait qu'on récompense l'exploration, pour moi, c'est bien. Après, une brève marche dans la forêt, vous arrivez... Ouais, signe de civilisation. Oh, mais je voulais pas aller là. Je voulais pas commencer par ça. Il y a une caverne. Dans cette... je le sais qu'il y a une caverne. Je veux dire, j'ai déjà fait cette zone. Genre, de base, les mécaniques sont bonnes hein, sur ce jeu. Hein, Les graphismes, je trouve que c'est trop chargé, en termes de végétation. Du coup, quand la végétation est trop chargée sur un jeu, généralement, la lisibilité s'en ressent. C'est important de garder son jeu lisible. Monticule suspicieux. Et nous avons une pioche. Nous avons trouvé un coffre. On a quoi? Une broche ornée. À vendre, un anneau en argent, un lingot de fer, 19 pièces d'or. C'est très bien ça. Très bien. De toute façon, je vous ai dit, hein, c'est un jeu qui se comporte comme du Fallout. Vous avez manifestement une pelle qui vous est donnée dès le départ. Hein? On se doute bien qu'on va creuser. Mais c'est très bien. Encore une fois, c'est des mécaniques qui sont éprouvées. C'est important d'utiliser des mécaniques éprouvées quand on fait de votre jeu.
On ne le dira jamais assez. Ah, nous sommes en combat contre des petits skinks. Enfin, des petits, ils ont quand même 24 points de vie. Toi, si tu viens jusqu'ici, tu vas claquer tous tes points d'action. Donc, contente-toi de venir là. Vandril, tu pourrais avancer et frapper. Mais contente-toi de reculer. Laisse venir. Un point de dégâts. La lance a une variance très importante en termes de dégâts. Je suis pas forcément fan de l'idée. Vandril, peux-tu le faire foutre par terre? Il a esquivé. C'est malheureux. Il a esquivé tes deux attaques. 76% chaque attaque. T'en as raté deux. Oh boy, ça sent pas bon. Balayage de queue. Mec, quand on est bien élevé, on va pas mettre des coups de queue à une jeune femme. Voilà une phrase à ne pas sortir de son contexte, bien sûr. Tu as fait les dégâts max, c'est cool. Tu l'as tué, GG. Vandril, il y a un cooldown sur le... Ouais, deux tours. Mais ça fait deux fois que tu le rates, hein. Du coup... On s'est bien fait casser la tronche, hein, quand même, hein. La lance a vraiment des dégâts trop variables. Oh, mais sérieux, Vandril. Lui, il te rate pas, hein. Punaise, a été mauvais, hein. On s'est bien fait casser la gueule. T'es une reine, Skink. On a eu le King Skink, on a eu la Queen Skink. Il y a une caisse en bois. Une perle, une statue en os, un chardon, Yawara. C'est une arme pour arts martiaux, qualité terrible. Mais terrible, pas bon terrible, vous voyez. 5 fléchettes en cuivre, enfin avec des carreaux en l'occurrence en cuivre, plutôt, et un pilon et mortier. Ok. Bon, en termes d'XP, c'est pas avec ça qu'on va level up, hein. Vous avez compris. J'aime bien vraiment le côté classique du truc. La gestion de la carte est bonne. Le fait d'avoir pu cliquer à l'autre bout de la carte, ça nous a déplacé le point de vue directement. On clique pour faire envoyer les personnages, ça c'est très bien. Là encore, c'est des mécaniques très classiques. Mais j'aime quand j'essaye de jouer comme je jouerais sur un Baldur's Gate et que le jeu se comporte de la même façon, vous voyez. Moi je dis Baldur's Gate, c'est pour reprendre le nom qui est cité sur la page Steam du soft. Mais je veux dire, jusque-là, ça se prend bien en main, c'est agréable, il n'y a pas de problème. Après, une brève balade dans la forêt, vous arrivez à votre premier signe de civilisation. Une clôture branlante à votre droite et un pâturage enlevé par la végétation sur votre gauche. Un feu de cheminée par-delà ces champs, le village doit être proche. Il est sans doute plein d'imbéciles. Oh, j'en suis certaine. Quoi qu'il en soit, c'est ici que nous nous séparons. J'ai la taverne du coin. Fais ce que tu veux. Tu trouves du boulot, viens me voir. Tu auras peut-être besoin d'aide et je pourrais toujours avoir besoin d'argent. Sans quoi, je passerai la nuit ici et je partirai à Sordhaven au petit matin. Ok, garde ça à l'esprit. Luck be with you. Nous avons gagné whopping 10 points d'expérience, n'est-ce pas? Impressionnant! Impressionnant.
avec ça qu'on va tester un level up aujourd'hui. Alors d'ici vous pouvez voyager vers d'autres panneaux routiers proches. Ok, donc il y a une notion de entre fast travel au sein d'une zone. Pourquoi pas, ça peut, ici ça peut éviter le backtracking inutile. C'est toujours bien, je veux dire, vous avez 90, le backtracking c'était quelque chose, hein. Souvenons-nous tous des jeux de David Bradley, Wizard 6, Wizard 7, Wizards and Warriors, et puis même plus tard, au milieu des années 2000, Dungeon Lords. Le backtracking, c'était quelque chose à l'époque. En 2024, c'est plus tout à fait pareil. Les joueurs n'aiment plus aller à gauche, retourner dans des endroits où ils ont déjà été 15 fois pour juste rendre une quête ou ramasser un objet qu'on leur avait pas demandé de ramasser à l'époque. Vous voyez, des conneries comme ça. Là, j'ai joué à Gothic 1 et beaucoup à Gothic 2 aussi ces dernières semaines. Ah, là, c'est le décès par contre. Parlons de backtracking... Voilà quoi. Des loups. Ça craint. C'est de la merde, c'est popo, mon gars. Tegra. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre 4 loups? Oh, bien sûr, je vais laisser un point de vie. I'm a sad panda. Alors ça, c'est coûte 3 SP, il m'en reste 4. Donc je peux repopoter. On va essayer de le faire trébucher. Ça fait 3 fois sur 4. Oh, mais tu laisses encore un point de vie. Mais t'es sérieux, mon gars? Faut arrêter, hein. Alors dans les options, vous pouvez changer la vitesse d'animation lors des combats. J'ai mis 200%. Voilà, t'as one shot un loup. Donc tu vas le gagner comme ce combat. Enfin peut-être. Ou pas. Non, tu l'as laissé un PV. I'm a sad panda. On s'est réussi à gagner. T'as claqué 2 potions de soins, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. 4 pots et 4 crocs. T'as gagné de l'XP? 20 XP. C'est... Ça par contre, j'espère que l'équilibrage de l'XP va être revu. Un mouton laineux. De la viande et des pots. Parce que là, j'ai claqué vraiment 2 potions de soins, là, littéralement, pour ça. Alors, nous avons des fléchettes en fer. Faut qu'on aille dormir à un moment donné. Alors, je pourrais camper éventuellement ou pas. Il y a une icône pour se reposer, ouais. J'aurais peut-être essayé. Bon, j'ai que 2 rations, j'irai pas loin dans la vie avec ça. Mais avec mes 5 points de vie, j'irai encore moins loin dans la vie. Ceci dit, je pourrais aller jusqu'au village, dormir et puis ressortir pour aller faire les quêtes. Il y a des quêtes à faire. Bon, là, la zone elle est quand même tout de suite beaucoup plus grande. Je l'ai déjà fouillé, lui, hein, je crois.
Ah. Quelqu'un ici. Le traditionnel marchand avec sa carriole qui est bloquée. Salutations voyageurs. Pour m'aider? Laisse-moi deviner. Mon chariot est cassé. Une seule roue, hein. Par les dieux. Le village est proche, mais je peux pas laisser ma pauvre Jenny toute seule. Tu vois, il y a une meute de loups qui rôde dans ces bois. Si jamais ils tombaient sur mon chariot pendant que je suis pas là, ils pourraient manger ma bonne vieille Jenny. Alors, t'as un choix à quête et t'as un choix à question. Qu'est-ce que t'attends de moi? Peux-tu garder mon âne pendant que je vais au village? Ouais. Merci beaucoup, mon pote. J'ai vu une roue en parfait état qui prenait la poussière dans les shops du forgeron. Ce gars est un peu chiant, mais est-ce que j'ai le choix? On peut dire, si on a 4 en persuasion, enfin, on peut tenter la persuasion, pardon, on peut dire, donne-moi les sous et puis je vais parler pour toi. Mais bon, j'ai échoué, hein, évidemment. Non, non, t'inquiète pas. Je reviendrai sans problème. Donc il est radin, le forgeron? Ah! Il est la définition même du mot radin. Avec toutes les rumeurs sur des conflits qui se préparent, je suis sûr qu'il se prépare à faire encore plus d'argent en vendant des armes. À double prix! Quel conflit? Ah, c'est que des rumeurs. Fais pas attention. Ok, bah vas-y, je vais garder ton âne. Je reviens en un clin d'œil. La forge juste après le premier virage. Après la rivière. Reste juste là, hein. Moi je pars. Ça, ça pue l'embuscade de voleurs. Et comme j'ai 5 points de vie, il n'y a pas grand chose que je vais pouvoir y faire. On va se reposer 8 heures. Ah, si on se repose, est mort, le bestiau. Donc peut-être se reposer avant. Alors ça, c'est assez rare. Sur les jeux vidéo comme ça, vous reposez et quand vous réveillez, bah, la quête, elle a évolué. Notre truc ici, dans le log, la fonte, c'est la même fonte que sur Baldur's Gate. Mais je vous ai pas déjà tué les loups, c'est encore une autre meute de loups. Eh oh, j'ai pas le droit de jouer. Non, je vais te foutre par terre, toi. Pas foutu par terre, mais je t'ai tué. Ha ha, Ouned. Ouned. Je t'avais dit, ces loups, ils ont peur de rien. Suivant mon avis, il fut un temps où ils n'auraient pas osé attaquer les humains. Ouais, t'as ta roue? Oui. J'ai gagné 61 XP. Ce serait bien ça. On va surveiller son progrès. Tu observes le travail de l'homme. Tu as la capacité mentale de le comprendre. Et on va essayer d'apprendre à réparer une roue. Oui, tu commences à comprendre ce qu'il fait. Et c'est un peu tellement compliqué. Donc là, on a réussi 2G de caractéristiques. Et ça nous a donné 3 points de compétences en craft. Je crois que sur cette démo, il n'y a que 2 moments où vous pouvez gagner des points de manière permanente dans des compétences. Ça, c'est le premier des 2 moments. Je crois que le premier jet, c'était un jet d'attention. Je ne sais même plus si ça s'appelle attention ou quoi. La stat qui gère la perception. Par contre, pour la deuxième amélioration permanente, il faudra, je crois, réussir un jet de persuasion ou un truc comme ça. Bon, donc, on ne peut pas le faire. Réussi! J'ai récemment acheté une potion de soin à la sorcière locale. Et si je te la donnais comme récompense? Ouais, ça me va. Bah tiens, prends-la.
pense que c'est le moment de se dire au revoir. Allez, en route, fille. Je vais la regarder partir. Elle est où ta potion de soin? Il m'en restait une. Il m'en restait une. Et j'en ai toujours qu'une. Mais t'as vu que je me suis fait couillonner. Oui, Killing Potion. Moi, je l'ai obtenu, hein. Elle est là. Mais pourquoi j'en ai qu'une? Mais t'as vu que je me suis fait couillonner sur cette histoire. Au fait, ça m'a coûté combien de rations de dormir? Une. Ok. Est-ce que c'est parce que je suis tout seul ou est-ce que c'est une ration d'office par nuit? Je pense que c'est parce que je suis tout seul. Bon, en tout cas, l'XP rentre vraiment pas vite. Hein. T'as pas un level up rapidement au début de partie. Hein. Une hachette ici. C'est quoi la hachette? Les dégâts de 10. Ça a une portée plus basse. Donc en gros, il faut te déplacer plus près des mobs pour frapper. Mais ça coûte que 10 points d'action de frapper. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer ici dans la ferme? Ouais, en faisant tout le tour. D'accord. Ok. C'est à l'époque où il y avait une quête à faire. Ici. Wow, 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 dude. Il y a quelqu'un là. Un fermier avec un seul bras. Si tu veux voyager dans les champs, fais attention et garde toujours un bâton avec toi. Pourquoi donc? J'ai une infestation de vermine. Un pack de... de satané Daggerfangs. Daggerfangs? On dirait des rats moyens, mais... il secoue ça seulement. Tu comprends, quoi. Ça a l'air dangereux. Ouais, pas de raison d'avoir trop peur non plus. C'est pas des loups. Mais fais attention quand ils sont dans le coin, c'est tout. J'ai un pote apothicaire à Sordhaven. Il vend un puissant poison pour s'occuper de ces créatures. J'ai lui parler? Sympa d'offrir ton aide, mon pote, mais je dois décliner. Les routes sont trop traîtresses ces jours-ci, même pour un aventurier. Il a surtout probablement trop peur de devoir donner une grosse somme d'argent à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et si je me débarrassais de tes bêtes alors? J'imagine que tu peux les tuer, si t'as vraiment ce qu'il faut dans le bide. Je pourrais même te donner quelques pièces, si t'y arrivais. Ok. Je serai ton obligé, je vais aller au temple. Au bout de la route principale. Mais te fais pas grignoter à mort, hein. Ils sont méchants, en gros pack. Une chance. Time for exploration. Alors pour une démo, c'est tout à fait honnête. Hein. Après, encore une fois, c'est pas un développeur novice. On dit, hein, c'est quand même les gens qui ont fait Atom RPG, donc ils ont un petit peu d'expérience pour le fait de faire des jeux de rôle. Et leur intelligence, ça a été de se baser sur ce qu'ils connaissaient. C'est-à-dire que du coup, les mécaniques du jeu reposent beaucoup sur des mécaniques typées Fallout. Hein. Le système de caractéristiques, de compétences... fonctionne exactement comme sur du Fallout. Encore une fois, quand vous savez faire quelque chose, c'est pas une mauvaise idée de se baser sur ce que vous savez faire quand vous développez de nouveaux jeux.
du moment que c'est, vous faites pas de la copie carbone, n'est-ce pas, Baldur's Gate 3. Alors, nous avons 4 ennemis. On va laisser venir, hein. 2 points de vie, les Dagger Fang. Alors, faire attention, les Dagger Fang peuvent appeler à l'aide. Oh, là, il y a une reine, je pense, Dagger Fang. Donc là, elle est en posture d'invocation, c'est-à-dire qu'à son prochain round, elle va invoquer. Donc, faut la tuer, elle. Voilà. Du coup, j'ai plus assez de points d'action pour taper une deuxième fois, mais c'est pas grave, j'ai tué celui qui se préparait à invoquer. Lui, il se prépare à invoquer, lui aussi. Faut que je le tue les deux, idéalement. Voilà, bien joué. Aucun de ses adversaires n'a pu invoquer de collègues. On a des crocs. On a des queues de Daggerfang. Parfait. Ça s'est bien passé, parce qu'on a touché avec toutes nos attaques. Mais ce ne sera pas le cas très souvent. T'as quoi, Skeletor ? Lame d'épée ? J'imagine qu'avec le craft, on pourra fabriquer une épée à partir de cette lame d'épée. Mais bon, je suis pas spécialiste en épée. C'est dommage. Pastille à réaction, ça fait quoi? Plus 10 en initiative. Ok. Vous avez toujours les bons vieux consommables pour vous buffer. Maintenant, je trouve que ce jeu, pour l'instant, ressemble à un mélange un peu improbable, effectivement, au niveau des mécaniques, entre du Fallout et du RPG classique. Mélange improbable, mais qui marche pour l'instant. Reste à voir l'effet du craft. Comment il fonctionne. Bon, je rappelle que ceci est une démo. Pour une démo, c'est bien. On a déjà vu des jeux finis qui étaient moins bien finis que ça, hein. On peut zoomer, hein, si on veut. On peut dézoomer un peu. C'est bien. C'est toujours bien de pouvoir zoomer. Je serais pas contre un zoom un petit peu plus marqué, parce que lors d'un combat, s'il y a un peu beaucoup d'adversaires, ça peut être pas mal de zoomer pour y voir mieux. Ah. Vite, vite, sort appel. J'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait des trucs cachés comme ça à découvrir. Ça donne une prime à la perception. Crochette-moi ça, s'il te plaît. 28 balles, une opale, une améthyste et une note en mauvais état. L'encre est en train de s'effacer. L'écriture est presque illisible. K, c'est ta dernière chance d'éradiquer ta culpabilité, en gros. Or, gentiment, humblement, je t'en supplie, fais attention avec ce paquet. Ce ne sont pas de simples joyaux. Non. Comme indiqué dans la dernière confession de Corla, quelques jours avant sa mort, ces pierres sont en fait les yeux du seigneur de Barbe et Gâchée lui-même. Seigneur des entailles, des barbelés, quoi. Arraché par les voleurs de ces chasses noircies de la grande idole sous l'ancien donjon. Mais finalement, ils nous sont revenus. Ils ont été glissés en contrebande à Nova Draconia grâce à des pots de vin et des sacrifices désespérés. Enfin, nous les avons entre les mains. Tu as été choisi pour ceci, Ka. Fais vite et tu pourras récupérer des récompenses que tu n'imagines même pas. Échoue et tu souffriras une éternité dans la loge des soupirs, enfin des gémissements plutôt, loge des gémissements, et Ekmed, le trusting, qui accorde sa confiance.
Si les pierres devaient être des fausses comme la dernière fois, je crois que je me tuerai moi-même. On en aura fini. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir les faire identifier, pour voir si c'est des vrais, puis les ramener là où elles sont censées aller, à une statue? C'est tout à fait le genre de choses qui pourrait démarrer une quête secrète, cachée, sur un jeu. Étant donné qu'on est sur une démo, je m'attends pas à ce qu'il y ait ce genre de mécanique ou de comportement présent. Les quêtes cachées, parce que bon, ce serait une quête cachée qui démarrerait après avoir chopé un loot que vous pouvez avoir grâce à la perception, et si vous crochetez un coffre, vous voyez, donc c'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Donc ça m'étonnerait qu'ils en fassent une quête derrière. Ça ferait une prime très importante au fait de pouvoir ouvrir ce coffre, mais bon. On sait pas tout ça, mais... J'ai fait une boulette, je crois. Je suis censé aller tuer des Daggerfang. Ah, punaise, tu l'as encore laissé un PV. Ces créatures te font saigner, mon pote. Le saignement te fait quoi? Attends, juste tuer un. Quelle misère. Oh, tu prends Bagdad, mon pote. Oh là 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 là, t'es mauvais en plus. Oh là là, mais t'es vraiment mauvais, hein. No problem. Est-ce que ça valait le coup au moins de faire ça? Là, pour avoir du miel. Non. Ça valait pas le coup de faire ce fight. Donc sois pas bête. Reviens t'occuper des Daggerfang. Il y en a 3 ou 4 packs à tuer, t'en as tué qu'un. Hein. Là il y en a un pack. Je sais pas s'il compte pour la quête, je pense. Je crois pas. Oh, oh lui, il t'a arraché la gueule. Hein. Oh la vache! Dude! Oh, tu t'es fait déchirer par eux. Recommence. C'était nul. Ah oui, c'était nul. Recommence. Mais mieux cette fois-ci. Déjà, laisse venir les mobs au premier round. Il n'y a aucune raison d'aller les attaquer. Il faut qu'ils puissent arriver jusqu'à moi, mais sans plus avoir assez de points d'action pour attaquer. Pour que je puisse faire 2 attaques et essayer d'en tuer 2 dès le premier round. Exactement ça. Pas brillant, mais bon. J'ai pas tellement de quoi me soigner ou régénérer, hein. Donc vous noterez qu'il n'y avait pas de mécanique typée magie qui était présentée pour ce jeu. Je me demande s'il y aura du soin autrement que sous la forme d'alchimie ou de consommable, genre bandage. Oh, lui il va invoquer quelqu'un et je peux pas l'en empêcher. Nice.
Là, il y a trop de monde. Hein. S'il y en a d'autres qui se mettent à invoquer, ça va être très compliqué. Hein. Bip. T'es nul. T'as raté, t'es nul. T'as pris 7 points de dégâts à cause de ce raté. Ouais. Change de métier. Time for exploration. Change de métier, mec. Tu n'es pas fait pour le combat, je crois. Là, je me suis beaucoup rapproché quand même. Ah, t'as avancé, mais t'avais pas de quoi taper. Oh là là, t'as pris Bagdad. Ah, elle va invoquer. Ou je la tue. Du coup, lui va me coller 3 claques. Je vais perdre la moitié de ce qui me reste en PV. Je l'ai tué, mais faut que j'aille en ville derrière pour régen. Hein. Il va invoquer lui. Pas le bête. Salut Jojo Bracazé, comment vas-tu? Toi, t'as un pourpoint en cuir. Je le sais, 3% de résistance perçante. C'est nul, mais je suis à poil, hein. Ça, c'est que le deuxième groupe de ces mobs dans les champs. Ça va, un peu mal à la gorge, mais ça va. De toute façon, là, il me reste quoi, un quart d'heure, maximum 20 minutes à jouer. Honnêtement, que je pense de cette démo, c'est que ça tient tout à fait la route. Hein. J'apprécie vraiment le côté jeu traditionnel, vraiment RPG très traditionnel, mélangé avec des mécaniques Fallout. Et le tout fait par des gens qui maîtrisent tout à fait ce qu'ils font, parce que, encore une fois, c'est des gens qui ont fait Atom RPG, qui était un jeu qui fonctionnait exactement comme un Fallout, donc c'est des mécaniques qu'ils maîtrisent bien. Je joue pas à Space Marines 2 ou Age of Mythology. Alors, Age of Mythology, j'aurais été très très tenté par y jouer, mais c'est du RTS, et j'aime pas, et je suis surtout extrêmement mauvais sur les RTS, ça sert à rien que j'y joue. Tu sais, les RTS, c'est les jeux où il faut faire 3 actions par seconde, sinon t'es pas compétitif. Moi, il me faut plutôt 10 secondes pour faire une action, tu vois, donc... Ok, à l'époque, j'ai joué à StarCraft 2, les campagnes, ça va. Mais ça reste un peu léger. Si je vais jouer à un jeu de ce genre-là, je me demande si je jouerais pas plutôt à Age of Empires 2, qui lui a... je sais pas combien de scénarios de campagne, qui du coup correspondrait plus à mon type de jeu, plus... pas très compétitif en PVP ou même par rapport à quelqu'un qui doit être bon. J'ai jamais trop aimé le principe des jeux de stratégie temps réel. C'est pas des jeux où tu réfléchis, quoi. C'est des jeux où il faut juste que ce soit frénétique.
Quant à Space Marine, ça m'a jamais intéressé. Soyons clairs. Waouh, ils sont 5. Bon, écoutez, on va voir. Hein. Si j'avance à attaquer, je peux en tuer qu'un. Et derrière, je vais prendre... This is Baghdad. Oh là, je vais me faire grignoter. Ah, lui, il va invoquer. Nice. Et je peux pas l'en empêcher. Nice. Vraiment, nice. Je peux avoir deux mobs de plus sur le rabble. Ah, lui, il a été invoqué, mais il joue quand même à ce tour-ci. Oh, nice. Et puis, je tape à côté. Qui peut reprendre sa sauvegarde? C'est Bibi. Ouais, Bibi, reprends ta sauvegarde. C'est nul. Faut pas rater, hein, connard. D'abord, c'est très mal de se positionner comme j'ai fait à un endroit où, au premier round, tu peux buter un mec, mais après, t'as tout. T'as... Une fois, c'est Bagdad sur ta gueule, quoi. Non, il faut te mettre à un endroit où les mobs arrivent, ils peuvent pas t'attaquer derrière. Toi, il faut que tu puisses essayer d'en tuer deux. D'emblée. Ben là, j'en tue un. Je peux pas en tuer le deuxième derrière. C'est mal. De toute façon, j'ai raté. Hop, recommence. Ah, c'est pas ça la save. Ok, ben, recommence. Je préfère un jeu de stratégie où la stratégie emporte sur rapidité. Pour ça qu'un Heroes of Might and Magic, par exemple, c'est... Ou un jeu 4X, hein, je veux dire. Attention, c'est pas... J'avoue, c'est pareil. Hein. Et dans 10 jours, il y a Ara History Untold qui sort. Ça me parle beaucoup plus qu'un jeu de stratégie temps réel. Et dans 2 semaines, il y a Silence of the Siren qui sort. En... Bon, c'est un early access, certes, mais tout de même. Vu que j'ai accès à... Mec, il faut vraiment que tu arrêtes de rater. T'as pas 50% de chance de toucher. Me raconte pas l'histoire. Alors, arrête de faire du caca. Donc, je disais Silence of the Siren, j'ai accès à l'alpha. Et j'ai testé ces derniers temps campagne solo. Ah, ça me fait un peu chier qu'ils sortent qu'en early access. Mais j'y jouerai quand même en early access. Je suis au courant, je joue au bras cassé, j'ai déjà postulé pour participer au test bêta. Et comme je le disais, je sais que j'ai aucune chance d'être retenu. Parce qu'il y a 375 personnes qui ont déjà postulé, notamment toute la communauté des kékés PVP Boys. Et les développeurs sont très focalisés sur le PVP, pour l'instant, sur ce Heroes. Donc je suppose que tous les PVP Boys y seront... prioritaire. Le deuxième, il me grignote, je suis mort. Il summon. En voiture, summon. Bon, du coup, lui, il a 3 attaques. Il va me buter, normal. Et il faut absolument qu'au premier round, j'en tue 2. Si j'en tue qu'un, c'est... C'est nul. Il est intéressant ce nouveau Heroes of Might and Magic. Mais le problème c'est qu'il va sortir d'ici 6 mois à 6 à 9 mois et ce sera en early access de toute façon. Donc il sortira pas en release totale officielle avant 2027. 2026 si tout va bien. À mon avis, c'est trop tard. Oh là 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 là, j'ai pris tellement cher. Ouais, c'est mort. You are dead. Je pense que si je prends pas une deuxième, si je prends pas un repos complet avant ce fight, c'est mort. Donc on va prendre un repos complet.
Let's do it. Ce qui est intéressant, c'est que bon, les gars qui le font, ce Heroes, c'est Unfrozen. Unfrozen, rappelons que c'est quand même eux qu'on fait Iratus. Et Iratus, c'est un des jeux les plus intéressants de ces dernières années. Bon, ça commence à dater. Hein, j'ai fait l'alpha, j'ai même joué à la pré-alpha sur Iratus. Bah, ça date, hein, quelques années déjà maintenant. Très très bon jeu. Hein. Vraiment. Je le trouve meilleur que Darkest Dungeon. Bon, je sais que c'est une hérésie pour beaucoup de monde. Mais je préfère Iratus à Darkest Dungeon. Ok, donc lui va invoquer. Il va pas invoquer. Mec, tu vas même pas survivre. Même après un repos full, tu t'es fait défoncer, mais déchirer. Oh oh, waouh! Est-ce que je vais réussir à finir ce combat quand même? Avant de devoir arrêter là? Ou est-ce que vraiment je vais juste faire de la merde? Pour le plaisir de faire de la merde. Ce qui est intéressant avec ce Heroes of Might and Magic, c'est qu'il n'a pas de numéro. Parce qu'il n'entre pas dans la narration des Heroes of Might and Magic Ubisoft. Comme ça a été expliqué par Unfrozen. Puisque Ubisoft a toujours son univers particulier pour les Heroes of Might and Magic. Et que ce Heroes-là va utiliser l'univers de Enroth. Puisque c'est une sorte de préquel à Heroes of Might and Magic 1. Donc il va se passer dans le continent de Jadam, qui est le continent de Might and Magic 8. Est-ce que je vais le finir? Alors, je veux forcément le finir. Est-ce que je vais le finir vivant? Ça, c'est une autre question. Bah, probablement pas, parce qu'il fallait que je le touche. Ah, oh, j'ai dodge deux. Oh, j'ai raté deux fois. Ouais, bon, c'est fini. It's over. Boops. Lui, il summon, donc faut le tuer en prio. J'ai plus assez de mouvement. Ok, recommence. Non, je le finirai pas aujourd'hui, là, ce fight. Clairement, je vois pas là. D'ici 5-10 minutes, faut que je parte. Je vois pas que j'aurai le temps de le finir en le gagnant, hein, s'entend. Je vois pas. Là, si j'avance, j'attaque, je prends Bagdad. Si je recule, ils vont tous se mettre autour de moi de toute façon. Même si j'en tue deux, je prends Bagdad au prochain tour, donc je meurs. Hein. Ça sert à rien de se prendre la tête. On va essayer, hein, sur un malentendu. Mais. Parce que chacun a 3 attaques, donc je prends 9 attaques dans le round. Donc je perds, 20, je perds 27 points de vie dans le round. J'ai 28 points de vie. Donc de toute façon, lui, s'il invoque, je suis mort. Donc de toute façon, il faut que j'empêche d'invoquer. Mais du coup, j'ai 2 mobs. Donc, ah oui, puis 4 points de dégâts là, sur la première attaque, c'est déjà mort. Il n'y a rien à dire. Il faut que j'arrive à les séparer. Si j'arrive pas à les séparer, de toute façon, c'est mort. Donc, je vais essayer de me mettre là pour les séparer. Mais il faut que j'arrive à en tuer 2 dès le premier round. Là, c'est le meilleur try que j'ai fait pour l'instant. Eh ben voilà, piou! La solution était dans le fait de se mettre ici, parce que c'est comme ça qu'on arrive à les séparer. Eh ben dites-moi! Bon, le problème, c'est que je pense pas que la quête soit finie là. Journal des quêtes, c'est quoi, c'est J? Ah, c'est passé, mais je crois qu'il en reste un groupe. Hein. Cette quête, je la trouve extraordinairement dure pour une quête tout début de jeu.
Bon, encore une fois, c'est une démo, il n'y a pas d'équilibrage, hein, mais... C'est raide, hein. Et tu gagnes que dalle d'XP, hein, je le rappelle. T'as pas de stuff, t'es tout seul. Donc en gros, avant d'attaquer cette quête, faut vraiment que t'ailles chercher un compagnon. Hein. Ce qui est pas logique, parce que... Ou ce qui est pas, entre guillemets, plutôt intuitif. C'est cette quête, tu la chopes sur la route du premier village. Donc tu te dis pas, bah, pour la faire, il faut que j'aille jusqu'au premier village, que je chope un compagnon, puis que je revienne. C'est pas comme ça que tu imagines le bousin. Pourtant, sans avoir un compagnon, cette quête, elle n'est pas envisageable. Hein. Voilà, ils sont que trois. Ça peut s'envisager. Le problème... Faut que j'en tue deux dès le premier round. Oh merde, lui, il est en train de summon. Je peux pas en tuer deux dès le premier round. Déjà, je suis ceux qui summonent, et puis c'est déjà ça. Hein. Lui m'a pas fait trop de dégâts, ça va. Lui m'a fait super mal. Ah, le journal a été mis à jour. Les Daggerfang ont été exterminés. Ouh. Ça m'a coûté beaucoup de ressources pour une toute petite quête. À tuer des tout petits mobs. C'est des mobs qui ont deux points de vie, hein, je rappelle. Hein, Le fait de ne pas avoir de skill de frappe de type balayage, c'est problématique. Surtout les dégâts qu'ils font pour des mobs à 2 PV. C'est sauvage. Hein. Ils peuvent t'enlever, sur un round de base, ils peuvent t'enlever un tiers de tes PV. Chacun. Hein. C'est chambé hein, comme bestiole. J'espère que la récompense vaudra le coup, que ce soit... financièrement au niveau XP, hein. Et punaise. C'est chambé, hein. Bon, je vais essayer d'aller voir la récompense. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Donc on aura fait du Gothic 3. Notre futur mage avance sur Gothic 3. On est passé niveau 9, 10 même je crois. Encore 4 niveaux et puis on pourra avoir les 250 en connaissance des anciens requis pour se lancer dans la régène mana. Après on n'aura plus qu'à s'acheter un sort et puis on pourra commencer à essayer de faire des boules de feu de ci de là. Donc ce sera pas mal. Alors nous on est censé aller au Temple Grounds. En plus le mec pour rendre la quête mais il est à l'autre bout de l'univers. Hein. Donc là, on a de quoi voyager rapidement. Ok. Lui va m'interpeller, va falloir blablater. C'est qui? Le jeune, c'est moi qui pose des questions. Je suis Olifant de Berganot. Non. Mes affaires sont mes affaires, ça te regarde pas. C'est suspicieux, je dois pas laisser d'étrangers rentrer dans le village. Non, mon père me tuera vivant. Je suis Olifant de Bergamote. Je vends du bois. Non. C'est pas ça. Ah, ouais, ok. Est-ce qu'on veut l'intimider? Est-ce qu'on veut le persuader? Est-ce qu'on veut l'attaquer? On va essayer de lui proposer de l'argent pour qu'il nous laisse rentrer. On lui donne 20 balles. Bon, pour l'instant, je veux juste aller rendre la quête. Let's see what's out there. Donc je veux juste qu'il ferme sa bouche. Je dis, je veux aller au Temple Grounds. Ah, c'est un perpète, hein.
juste voir la tronche de la récompense. Est-ce qu'on peut avoir un peu de... Bah, allez, en mars. Non, rigole pas. Hein. Bon, ce qui est intelligent, c'est ça. C'est d'avoir des trucs pour se déplacer rapidement. Encore une fois, en 2024, beaucoup de gens n'apprécient plus le backtracking inutile. Alors, je parle de 2024. Ce jeu est une démo, pour l'instant. Mais selon les développeurs du jeu, ils espèrent le sortir en accès anticipé décembre ou janvier. Décembre 2024, janvier 2025. Probablement plutôt début printemps 2025, je suppose. Pour une durée d'accès anticipé estimée à probablement un an et demi. Voilà, si ça vous intéresse, donc à suivre, Sordhaven, l'accès anticipé devrait arriver pas trop tard. Je cherche une personne qui est censée être près du temple. C'est lui. Les mecs, fais-moi rêver. Roulement de tambour. Quelle est la récompense? 39 XP. Ah oh, putain, 45 balles. Vas-y. Ah oh, putain, quelle misère. Bah écoute, bonne soirée à toi. Je vais au bras cassé. De toute façon, je vais partir aussi. Je dois filer. Donc, je vous remercie à tous d'être passés. Donc cette démo, c'était Sordhaven Iron Conspiracy. La démo est assez longue. C'est pas une démo dont vous faites le tour en une demi-heure, une heure. Hein, j'ai discuté avec des gens qui ont passé plus de 6 heures sur cette démo. C'est très long hein, pour une démo. Et le jeu sort en Early Access dans quelques mois. Donc il y a vraiment moyen que ce soit pas mal. J'ai trouvé cette démo intéressante. Encore une fois, surtout pour une démo. Généralement, les démos, c'est très basique, c'est très buggé, etc. Là je trouve que c'est honnêtement les mécaniques de jeu sont simples mais ultra efficaces, c'est ultra classique. Encore une fois, quand vous faites un jeu, et surtout quand vous faites un jeu dans un genre qui est déjà très pratiqué, c'est très bien de vous baser sur quelque chose qui marche, dont on sait que ça marche, et de pas essayer de réinventer la roue. Et c'est très bien, c'est exactement ce que font ici les développeurs d'Atom. Au niveau des mécaniques, la gestion du personnage, avec les caractéristiques, avec les compétences, les attributs, les compétences, c'est le système Fallout, c'est exactement le système qu'ils avaient utilisé sur Atom RPG. C'est un système qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. C'est très intelligent de leur part d'avoir du coup choisi de se baser sur ce système-là pour faire un jeu et de pas essayer de réinventer quelque chose. Le système de combat, il est ultra basique, vous avez des points d'action. Je préfère un système de combat à base de points d'action. Genre là, vous voyez, vous avez quelque chose comme 25 points d'action. Une attaque avec une arme à une main, c'est 10 points d'action. Avec une arme à deux mains, c'est 12 points d'action. Vous déplacez d'un mètre ou deux, c'est un point d'action, etc. J'aime beaucoup ce système-là de gestion des points d'action. Hein, plutôt que des systèmes où tu as une attaque par round d'office et tu as une action de mouvement. Vous voyez, non. Je trouve ce genre de système de points d'action très bon. Mais là encore, c'est du classique, hein. c'est des systèmes et des mécaniques des années 90, hein. C'est rien de particulier. Et j'aime du coup vraiment bien que, puisque ces développeurs ont décidé de faire quelque chose dans un style qui est connu, qui est classique, le RPG à l'ancienne, hein, le RPG classique, il soit vraiment basé sur des mécaniques classiques et qu'il reste là-dessus. J'utilise beaucoup en particulier le clin d'œil à Baldur's Gate avec l'utilisation des fontes, la fonte ici, hein, de Baldur's Gate, les jeux Infinity Engine de manière générale, tout en ajoutant des compétences actives, parce que souvent sur les vieux jeux, et en particulier les jeux Infinity Engine, donc ils vont se baser sur du Donjons et Dragons, il n'y a pas trop de capacités active pour les guerriers, du coup certains joueurs trouvent que jouer guerrier sur un Baldur's Gate c'est chiant parce que tu fais rien d'autre que juste faire un clic gauche pour attaquer. Donc c'est intelligent d'avoir donné des capacités actives, malgré tout.
On reste sur un système avec de la RNG, là encore assez réminiscent de jeux comme Fallout ou Donjons et Dragons. Donc là encore, hein, c'est du classique. C'est du classique, ultra classique, ça réinvente rien, mais au moins c'est bien maîtrisé. Donc voilà. Sur ce, bon week-end à vous. Ciao tout le monde.